Oui, je voudrais quelques informations à propos du projecteur. On a rêvé d'une lumière. C'est vrai, c'est un regard panoramique sur pour ceux qui se découvrent et en même temps se vivent. L'imaginaire, c'est ce qui tente de devenir réel. Tout ce que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas encore fait, je vous le donne. But LCD is not very black, you know. The black is very white. Yes, but it's and very DLP, dark. It's more contrast. Yeah. But DLP, there is a rainbow effect. Oh yes, you know? I have read that. Yes. C'est en juin 1950 que le poète André Breton, fondateur du mouvement surréaliste, vient inaugurer à Cahors la première mondiale sans conscience. 30 km. Saint-Cyr-Cabot qui accueille une de ses. C'est au terme de la promenade en voiture qui consacrait l'ouverture de la première guerre mondiale, sur route de l'espoir, que Saint-Cyr, embrasé au feu du Bengale, m'est apparu comme une rose impossible dans la nuit. Cela fut tenu au coup de foudre. Si je songe comme un suivant, je revenais dans la tentation de reposer le cœur de cette fleur. Merveille. Elle avait cessé de flamber, mais restait intacte. Par-delà bien d'autres sites d'Amérique, d'Europe, Saint-Cyr a disparu sur moi du seul enchantement, celui qui fixe à tout jamais. J'ai cessé de me désirer ailleurs. Chasseur de papillons et ramasseur d'agates au bord du Lot, dans un courrier adressé à Elisa et à Aude, André Breton venait de fouler le paradis terrestre. Ernst, Béret, Toyen, Wolfgang Pahl, Lab, Mann, Raoul, Duchamp, Schuster et tant d'autres artistes comme Ferré et Gréco venaient rejoindre Breton au paradis. La métamorphose est non réelle, qui mène une vie réelle dans une vie en GR. Pour moi, je continuerai à habiter dans ma maison revêt, où on peut voir à toute heure.